Donc là, on va partir sur les trailers. Donc dans le premier trailer dont on va parler, c'est sur Al Capone, qui s'appelle Capone, interprété par Tom Hardy. Donc on a tous vu la bande-annonce, hein, je pense. N'est-ce pas, Raphaël? Alors, qu'est-ce que tu en penses? ça charge, ça charge. Non, mais je pense, enfin, moi, pour ma part, je l'ai vu bon, rapidement, elle n'est pas très longue. Mais moi, j'aime bien l'interprétation. Je pense que ça va être un rôle à Oscar pour Tom Hardy. Ouais, pas Moi, sûr. j'en suis sûr. Qu'est-ce Enfin, qu'il je y a d'autre pense cette année? Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette année en comme gros rôle d'acteur? Chalamet, ça peut être fort. Ouais, pourquoi Non, pas. mais de toute façon, c'est pas maintenant. Enfin, les Oscars, ça se décide en janvier. Enfin, c'est en janvier, les films. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on sait qui arrive, qui pourrait lui faire concurrence, quoi. Dans Tenet, peut-être, non? Je sais pas, tu vois, Nolan, il a jamais rien gagné, donc ça Moi, m'étonnerait. je pense que ce sera un film qu'on va découvrir, qui va sortir comme ça au dernier moment. Non, mais de toute façon, le biopic plaît énormément. On dit pour les Oscars, c'est avantage forcément, interpréter un personnage comme ça, en plus Al Capone. Voilà, après, quand tu regardes la bande-annonce, je sais pas. Je sais Ça va être pas, une bande-annonce, honnêtement. mais... Ouais, bah. Les images que en tout cas qu'on voit, moi je trouve que c'est pas super prometteur. Moi, je sais pas si c'est prometteur, mais ça m'a pas donné ultra envie d'aller le voir, tu vois. Je me suis dit, ouais, ok, je regarderai ça, mais je me suis pas dit, oh putain, c'est le film que j'attends le plus de l'année maintenant, tu vois. Ouais. Le trailer ne m'a pas enthousiasmé Que je plus pense que que ça sera pas un film ça. d'action, je pense que ça va être un film de Non, on plutôt sera sur plongé dans sa folie. la pègre, la folie d'un Ouais, la noir. folie d'un homme. Le... Un peu en Après, je mode trouve qu'au Legend. niveau maquillage, il est bizarre. Je sais pas, il y a un truc. Tu penses pas que ça fait un peu un mode Legend? Ah, Legend, bah ouais, de ouf. Ça peut le faire. Bon, c'était un jeu d'acteur parce qu'il jouait deux personnages. Là, c'est Il plutôt jouait parce deux qu'il. jumeaux. Là, c'est plutôt Ouais. l'inverse. Il doit jouer exactement une personne. Bien comme il faut, quoi. Mais je sais Après, pas. on ne doute pas de l'interprétation. Tom Hardy, honnêtement, il est surprenant, c'est un bon acteur, il a une gueule, voilà, franchement, il n'y aura pas de souci. Mais le propos, est-ce que le film va nous raconter? Je pense que sera... Ça va être sur l'arrestation d'Al Capone, donc comment il s'est jusqu'où il s'est fait arrêter. Et... Je pense que ça peut marcher. On Hein. verra. Honnêtement, ça Si peut être une la bonne surprise. reconstitution. Moi, c'est Mais ça que je je sais trouve pas. qu'on ne voit pas énormément dans la bande-annonce, ou alors je l'ai regardé trop rapidement, mais c'est la reconstitution autour qui va être hyper importante. C'est-à-dire l'Amérique de ces années-là ça va être hyper important, quoi. Après, Tom Hardy, je pense que le maquillage, ça peut lui correspondre parce que certes, on l'a pas vu dans un film comme Les Heures Sombres ou des biopics comme ça, mais par contre, quand tu vois Bane ou quand tu vois son rôle dans Dunkerque, à chaque fois, il joue sur les yeux. Il a un masque ou un casque de pilote. À chaque fois, il joue que sur les yeux. Et alors là, le maquillage, ça peut être, tu vois, on peut plus voir le maquillage que le jeu d'acteur. Et du coup, on verra surtout ses yeux, et je pense que c'est un acteur qui est habitué à jouer comme ça. Donc ça peut quand même donner une performance qui se remarque, et pas on remarque que le maquillage. Par exemple, je sais pas si vous avez vu Scandale, le film sur C'est l'affaire le scandale de la Fox là. ouais. Et Ben là, il y a un gros travail sur le maquillage, justement. Ouais. oui, ben là il y a un gros travail sur le maquillage sur deux personnages, le PDG de la Charlize Fox Theron, elle est méconnaissable. et C'est Charlize très Theron. méconnaissable. Mais voilà, et j'ai eu du mal à discerner, tu vois, la performance de Charlize Theron entre le maquillage, tu vois, Ah et ouais, parce que t'étais c'était, perturbé? mais pour moi c'était, enfin, elle ressemble pas du tout, tu vois, elle ressemble à la journaliste, c'est pas Parce du que tout. tu t'es concentré sur Charlize Theron et pas sur Non, le... non, non, c'est pareil sur le gars qui joue le PDG. Des fois, quand t'as le maquillage, tu dis putain, c'est bien fait ça, et après tu te dis est-ce qu'elle joue bien dans ce film, tu dis j'ai vraiment retenu que le maquillage, quoi. Et là, je pense que, tu vois, il peut apporter une Maquillage ou acting? performance, il peut apporter une performance quand même malgré le fait qu'il soit méconnaissable. Oui, c'est sûr. Parce que Moi, bon, je c'est pense un qu'il va, bon acteur quand ça va même. être lourd, hein. Je pense qu'ils vont essayer de partir sur un petit en mode Scarface, en apportant une touche plus film lent, avec pas mal de réflexion. Ils vont tenter un truc comme ça, je pense. Oui, Ça va oui, pas oui. partir sur de l'action, hein, c'est sûr. Non, ben le trailer a pas l'air d'indiquer ça non plus, hein. Un petit peu. On aura forcément. Une petite fusillade, hein. Moi je te le dis. En mode les incorruptibles. Bah, un peu, je Voilà. pense. On le voit pas dans le trailer? Qui Il sort pas une Thompson? Tom Hardy?
Je sais pas. Si, bah si. Allez, il est beau ce plan. Et si, il y a un moment, c'est sanglant et il sort une Thompson. Voilà. Il tire comme un en mode Scarface. Bah voilà. C'était rapide. C'était rapide.